Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire déjà ce que je porte. C'est la blouse Neva de Cactophil que j'ai fait l'an dernier. Et là, j'ai pris un peu de poids, donc elle met un petit peu... voilà. En ce moment, c'est pas ça. Donc, du coup, elle m'est un petit peu serrée. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les projets VS Tissus pour le mois de mai. J'ai prévu pas mal de petites cousettes quand même. Alors, je suis pas certaine, comme toujours, parce que moi, mon cerveau change entre temps. Donc, maintenant, on verra bien. Alors, premier projet, j'ai acheté sur Makerist de la blouse Sélénée de la marque Manque Chocolat. Donc c'est vraiment une petite blouse toute simple. Mais pour l'été, je trouve ça... Elle est mignonne comme tout, donc je l'ai acheté sur Makerist. Je vous mettrai le prix du patron. Je sais plus si je l'ai acheté pendant les promotions de 2€ ou... Parce que les dernières promotions à 2€, j'ai rien acheté. Donc je crois que je l'avais acheté avant, mais je me souviens plus. Donc je vous mettrai sinon le prix de la blouse. Alors, elle va je vais vous dire ça. Elle va du taille 36 au 50. On peut la faire dans des tissus fluides et légers, type gaze de coton, viscose, crêpe fine, soie, coton fin, jersey, mousseline. Donc, chaîne et trame, quoi, en majorité. Et puis, il faut des petits boutons boules. Est-ce que les marges de couture sont incluses dedans ? J'ai déjà... celui-là, je l'ai imprimé, le patron. Bon, bah, je sais pas si les marges de couture, elles sont incluses ou pas. Bon, faudra que je regarde ça. Bon, toujours est-il que je vais le faire dans cette petite cotonnade que j'ai achetée sur Driesenstaufen à 4€. C'était mon dernier haul où j'ai acheté beaucoup de cotonnade. Donc voilà, avec ce petit coton, ça va faire une petite blouse très fraîche. Hop. On va mettre ça là. Deuxième projet, je vais faire la blouse Mom. C'est pareil. Je l'ai déjà fait une fois l'année dernière et là je vais y apporter quelques petites modifications. Donc c'est celle-ci. C'est PM Pattern, que je vous dise quand même un peu plus. C'est pareil, je l'ai acheté, je crois que ça fait au moins 2 ans que je l'ai, je ne sais plus. Mais ça fait un petit moment que je l'ai. Elle va du taille 34 au 52. Il y a plusieurs modèles, hein, vous voyez bien, on peut la faire de plusieurs façons. Double volant, simple volant, sans volant, manche longue, sans manche, avec une petite ceinture, avec les cols différents aussi. C'est un col Claudine, un col rond, ou alors un col... Moi, la première fois, je l'ai fait... Sans les manches, bah je l'ai faite sans les manches. J'ai fait celle-ci sans les manches. J'avais enlevé les manches
Et j'avais fait le col comme ça. Mais moi, je suis pas trop. J'aime bien dégager ma poitrine. Donc en fait, bah je la mets pas souvent. Je dirais même que je la mets. J'ai dû la mettre deux fois. Et puis du coup, là, j'ai envie de la faire. Je vais la modifier. Je pense que je vais faire un col pointu comme ça et je vais la modifier pour en version chemise. Alors je voudrais la faire en volant. En fait, ce modèle-là, en manche longue volant, mais version chemise, donc avec ouvert avec des boutons et un col, pas le col montant, mais un col chemise, quoi. Avec les volants. Je ne sais pas si je fais simple volant ou double volant, je ne sais pas encore. Donc voilà. Et je veux la faire dans cette broderie anglaise magnifique que j'avais achetée au Coupon de Saint-Pierre. Oui, moi j'aime beaucoup la broderie anglaise. Donc voilà. Ensuite, prochain projet. Prochain projet, j'ai acheté le patron Anastasia. Quand il était, je ne sais pas s'il est encore gratuit, mais à un moment donné, il était gratuit et du coup, celui-ci. Donc j'ai acheté ce patron-là. C'est de la lapie verte. Je vais vous dire, on en parle beaucoup, hein, il y en a, j'en ai. Ça va du 34 au 46. Il faut 1,50 m de tissu. Il faut du biais. Alors moi, j'ai vu. Ah mince, je sais plus son prénom. Elle attend un petit bébé. Qu'elle l'avait faite dans le challenge ta youtubeuse. Ah mince, je sais plus son prénom. Je vous mettrai là aussi. J'ai plus de mémoire en ce moment. Et en fait, elle l'a fait avec pas avec du biais. Elle a fait avec une parementure et je trouve ça très intelligent. Donc, je vais faire la même chose. Et parce que on verra bien. Donc, je pense que voilà, je vais faire aussi avec une parementure. Je vais créer une parementure et je vais prendre le volant qui se trouve tout autour. Là, je vais le prendre dans la parementure. Voilà, ce sera plus simple. On va se faciliter. Et puis, je pense que je vais regarder, mais je vais agrandir tout de suite le bracelet de manche et tout, parce que moi aussi, j'ai des bras quand même assez. Voilà, conséquent. Et apparemment, ce que j'entends beaucoup dans cette petite blouse, c'est qu'au niveau du bracelet du bras, c'est un petit peu juste. Donc, je vais tout de suite faire la modif dessus. Et je vais le faire dans. Ah, si mes taux de projet tombent, on est mal, on est mal. Dans ce tissu-là, que j'avais acheté aussi. Que j'ai acheté aussi le mois dernier. Celui-ci, je l'ai acheté chez Baticou. Si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Petite blouse. Ensuite, j'ai déjà fait. Vous savez, j'ai acheté la box Yeta Anaka des bobines patterns. Et du coup, j'avais déjà fait un premier pantalon Yeta en bootcut, donc celui-ci. Donc je vais le refaire. Juste, je vais. Donc au niveau de la taille, il est nickel. Et en fait, au niveau des jambes, je le trouve un petit peu large. Donc je pense que je vais regrader une taille en dessous pour le niveau des jambes, pour qu'il soit un petit peu plus près du corps de mes jambes sans me serrer. Mais là, il faisait trop large. Donc voilà. Donc le Yeta. Donc j'ai eu la box avec le tissu, mais le tissu, c'est un tissu assez fluide. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce tissu-là. Il est super beau et je vais plutôt en faire une jupe, la jupe Camille, je pense, des bobines, plutôt que de faire le jeans dedans, enfin le jeans, le pantalon. Et là, le pantalon, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dans la dernière box été de
The Fabric Baron, j'avais eu ce coupon de jeans assez fin, clair. Je sais pas si. Qui est un tout petit peu extensible. Pas dans le sens de la laisse. Vous voyez. Et qui est ciel pour l'été, printemps-été, il est pas mal, il est plus clair. Donc du coup, je vais le faire dans ce petit coupon-ci. Ensuite, prochain projet. On va commencer plutôt par celui-là. Ah, j'essaye de ne pas spoiler. Alors oui, là c'est tout petit. J'ai acheté le pantalon, sur Mercuriste aussi, le pantalon Jody. Alors, il est tout petit l'étiquette, je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour imprimer. Donc le pantalon ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, c'est un pantalon évidemment de Atelier Dara. Les marges de couture sont de 1 cm et incluses. L'ourlet du pantalon du bas est de 4 cm inclus. J'ai même pas encore. Il va du 34 au 52. J'ai même pas encore, vous voyez. Je ne l'ai pas scotché encore. Et donc, j'ai pas plus d'infos comme ça de tête. Donc j'aime bien sa forme un peu. Un peu qui se resserre en bas, qui fait un peu là. Enfin. C'est élastiqué au niveau du haut, mais c'est pas élastiqué devant. Alors ça j'aime beaucoup quand c'est élastiqué que derrière et pas devant, parce que comme j'ai du ventre, ben surtout en ce moment, donc ben, c'est moins moche. Et je vais le faire. Alors j'avais, parce que à la base sur le patron, je vous mettrai aussi une photo du. Il est dans un coupon de. Toile de Jouy dans les tons bleus, je l'ai aussi, je l'avais acheté l'an dernier chez les coupons de Saint-Pierre, cette toile de Jouy, j'en avais acheté de la bleue, de la rouge et de la sur fond gris, et la rouge j'ai fait dans le coupon de 3 mètres, je l'avais bien rentabilisé, j'avais fait une jupe, j'ai fait une veste assez longue, et j'avais fait aussi un petit haut. Avec et là il me reste le bleu et le gris et là je vais prendre celui-ci, le gris, parce que je vous le mets dans le bon sens, oui, voilà, il est un peu texturé, je sais pas si vous allez voir, donc je vais prendre ce petit coupon là pour faire ce pantalon. J'ai hésité parce qu'il est présenté, je vous disais, parce que je perds mes mots là, je passe du coq à l'âne, il est présenté dans le bleu, j'ai hésité, hein, franchement, peut-être le prochain, bon, là je vais me le faire dans les tons, c'est plus neutre, on va dire, c'est plus neutre, et je sais pas, peut-être que je le ferai aussi dans mon coupon bleu. Comme c'est 3 mètres, coupon de Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres. Donc, j'ai de quoi. Et puis, pour mettre avec, pour assortir avec ceci, j'ai acheté le patron Jen de Un chat sur un fil. Alors, voilà. J'aime beaucoup aussi ce patron. Il va dans du niveau. C'est un patron femme niveau débutant, du 34 au 52. Est-ce que les marges de couture sont incluses? Je regarde. Il va du 34 au 52. On peut prendre du viscose, coton, lin viscose, broderie anglaise, double gaz. Je ne sais pas si les marges de couture... sont incluses. Ça, je devrais me le noter. Je prépare mal. Hein. Je prépare très mal. Ça, je trouve que ça devrait être notifié dès le début. Sur les... Ben, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas.
Donc on peut le faire de deux manières, avec bouton ou sans bouton. Là je vais le faire sans bouton. Ça, je voudrais pas trop charger, vu que le pantalon quand même, avec le fait que ce soit un coupon, même s'il est clair, un coupon quand même assez... je voudrais pas trop le charger. Voilà, je finis tes phrases, Stéphanie, finis tes phrases. Donc je vais le faire dans cette double gaze dans laquelle je devais faire la tunique haut, que j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi cette tunique, j'ai du mal, hein. Je voulais la faire et puis ben, je sais pas, je l'ai pas faite non plus, comme vous avez pu voir dans mon dans mon podcast. Bon, ceci dit, j'ai pas fait énormément de cousettes, j'ai fait doucement parce que ben, avec mon poignet, faut faire attention, donc je vais doucement. Comme là, je sais pas si je pourrais tout faire, donc on verra bien. J'ai pas fait ma robe non plus le mois dernier. Elle est coupée par contre, hein, la robe, j'avais coupé parce que je prépare souvent des projets comme ça. Je coupe, je mets dans des sacs avec le patron et puis je mets de côté. Comme ça, des fois, si j'ai envie de faire un peu de couture, bah, j'ai juste à prendre mon sachet et puis commencer à faire ma couture. Je fais beaucoup ça, moi. Et bon, là, du coup, avant de le couper, j'ai changé d'avis pour ce coupon-là. Donc, je vais le faire, je pense que ça peut faire sympa. J'hésitais parce qu'avec les petits pois, j'ai peur que les petits pois... Vous voyez, je recommence à douter. C'est moi tout le temps. Je doute beaucoup, je choisis des choses et après bah, je change. Mais c'est compliqué quoi parfois. Parce que j'ai pas envie de blanc. Parce que sinon ça va faire trop clair pour mettre avec. C'est toujours pareil, c'est joli mais c'est pas facile hein, pour l'associer. J'ai pas envie de blanc. Et en gris, j'ai pas... Ou alors un t-shirt, vous savez. J'ai un jersey de coton tout simple. Je pense que je vais me faire un t-shirt, mon t-shirt de chez Direndo dedans pour mettre avec. Oui. Et alors en direct, du coup, je vais changer de t-shirt. La double gaze, je sais pas, je crois que je vais jamais les coudre. Il me reste quelques coupons de double gaze, j'ai du mal à les coudre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est agréable quand on le porte, mais à coudre, c'est tellement la galère. Je vais vous faire voir alors. Je vais changer tout de suite, je change direct. Alors, me revoici, j'hésite entre deux coupons. Donc ce petit haut mignon comme tout, je vais sûrement le faire. Alors par contre, je risque de changer parce que ça fera plus joli avec les boutons. Vu que c'est pas pour mettre avec ce pantalon que je vais faire un t-shirt simple. Je pense que ce sera le mieux. Un t-shirt gris simple pour mettre avec l'autre pantalon. Et puis soit je le ferai soit dans celui-là, soit dans celui-là. Entre les deux, c'est une cotonnade. Alors, cotonnade. Celui-ci, je l'avais acheté aussi chez... les deux, hein, c'est Dressenstoffen. Alors celui-ci, je l'avais acheté chez Dressenstoffen l'année dernière. J'avais acheté aussi, il faisait la double gaze pareil. Et je me suis fait une robe, j'avais fait un vlog l'année dernière couture de la petite robe With You X Florence dans la double gaze comme ça. Et donc j'avais aussi acheté la cotonnade. Donc je pense que je vais prendre la cotonnade. Soit celle-là, ou peut-être les deux, on ne sait pas. Eh bien, voilà tous mes petits projets pour le mois de mai. Et je pense qu'après, pour le mois de juin, le mois de juin, je vais faire des robes. Faire des robes et shorts, parce que pour partir en vacances, quoique j'en ai quelques-uns, mais je vais en avoir deux shorts que j'avais fait... L'année dernière, donc je crois que j'en ai un noir. Là j'ai mes shorts hose, mais ils sont bariolés, donc c'est pas facile. C'est pareil, je fais beaucoup, là je voudrais faire, oui, il faut que je fasse des shorts aussi, unis. Parce qu'en fait j'ai des shorts hose, j'aime beaucoup le hose.
le short hose des bobines patterns. Mais en fait, quand je l'avais acheté, j'en avais fait quelques-uns. J'en dois en avoir trois, je crois. Mais tous à motif. Tous à motif, mais voilà. Donc je me suis éclatée. Mais le problème, c'est qu'en fait, derrière, pour les. J'en ai un pas très loin. Je reviens. Alors, il n'est pas repassé parce que il était dans le repassage, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Alors celui-là, j'avais décidé de faire une coulisse pour mettre l'élastique et faire un petit. Vous voyez? Bon, ça c'est pareil, c'était un lin viscose de Dressenstoffen, ça. Et donc j'avais fait un petit volant en haut. Alors très mauvaise idée, hein. Quand on est un peu costaud comme moi, je regrette. Bon, je le mets quand même, hein, pour traîner à la maison. Mais très mauvaise idée parce que. Quand on est costaud comme moi, bah c'est pas joli quoi, ça nous grossit. Enfin, moi c'est ce que je trouve, hein. Moi ça me grossit en tout cas. Donc c'était pas la bonne idée du siècle celle-ci. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a y a des super poches, ils sont grandes. Et puis il ne serre pas. Donc j'avais fait aussi un petit ourlet là. Voilà, il serre pas, il est assez grand au niveau des jambes. Vraiment, j'aime beaucoup ce patron de. C'est le patron de short d'été que j'aime beaucoup. Ça s'enfile vite fait. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Donc, mais voilà, vous voyez, il est bariolé. Il y en avait un, j'en ai fait un aussi en wax. J'en ai fait un en wax. J'ai fait celui-ci, un en wax, un autre dans un jersey de viscose de. Un lin viscose de Dressenstoffen, hyper coloré aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas facile. On porte ça. Moi, je le porte avec un petit débardeur noir ou rose. Enfin, voilà. Mais faut penser à l'uni. Et donc, j'ai pas beaucoup de shorts unis. J'en avais fait un rose dans lequel je rentre pas. que j'avais fait l'année dernière. Et un noir. Donc, c'est limité quand même. Donc, du coup, il va falloir que je pense aussi à faire quelques shorts. Bon, il est pas très très long à faire. Donc, faut que je pense à ça. Allez, à faire un short ou deux pour partir en vacances. Je vous raconte ma vie. Bon, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre. C'est vraiment génial, quoi. Je sais pas quoi dire. Je vous remercie tous parce que c'est. Je pensais pas quand j'ai ouvert ma chaîne que ce serait que j'aurais autant de personnes. Voilà. Donc et puis là le oui, c'est pareil, je vais aller à Rouen le 7 ouais, c'est le 7 mai au Salon du Tissu. Donc il y aura sûrement un petit haul après parce que aller dans un salon du tissu sans rien acheter, ça sera pas possible pour moi. Hein. Donc voilà, on verra ça. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous et au revoir.